bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on va se concentrer sur mon bilan du mois de novembre. Il y a beaucoup de livres, du coup je vais passer encore plus rapidement que d'habitude sur les livres dont je vous ai déjà parlé dans mon update lecture que je vous mets juste ici. Pour la faire court, j'ai un gros imprévu aujourd'hui et du coup j'ai encore moins de temps que ce que je pensais pour faire tout ce que j'ai à faire avant ce soir. Du coup, m'en voulez pas, mais cette vidéo va être très rapide. Alors du coup, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres papier et 2 lectures audio. Ça fait beaucoup de livres en novembre, j'ai repris le goût de la lecture et ça fait vraiment plaisir. Décembre, ça va pas du tout être la même chose. Alors déjà, voilà, chaque vidéo de décembre, je vais porter des pulls de Noël parce que Noël c'est ma vie. Mais pour revenir au sujet de la lecture, en décembre il y a les cadeaux à faire, il y a les fêtes qui arrivent, il y a beaucoup de travail, il y a les vlogmas parce que je vais vous faire des vlogmas cette année à la semaine, pas tous les jours clairement. Et puis aussi il y a le fait que j'ai commencé les cours de conduite, et oui il n'est jamais trop tard. Et du coup mon mois de décembre va être chargé comme Jaja, voilà. Ça va être un mois très compliqué, mais bon. On est là pour s'amuser, pour lire, pour prendre du bon temps. Donc du coup, parmi ce que j'ai déjà lu, il y avait Forgery of Roses que j'avais pas trop aimé. Ça a été vraiment une belle déception, ce livre-là. Ensuite, j'avais lu Cassidy Blake, le troisième tome. J'adore cette série, cette saga jeunesse, elle est géniale. Elle est vraiment parfaite pour la saison d'Halloween. Et vraiment, j'ai vraiment l'espoir que Victoria Schaub continue cette saga parce qu'elle est vraiment trop cool. Ensuite, j'avais lu Un service presse rentre avant la nuit de Lisa Jewell. Enfin, ou Jules, publié chez Hauteville. Et ça a été ma première lecture de cette autrice que j'avais très envie de découvrir et ça a été une très bonne lecture. Ensuite, j'avais lu Legendborn de Tracy Dehaene qui est maintenant publié en français. C'est une réécriture de la légende du roi Arthur, version campus américain. Et franchement, j'avais trop kiffé. J'ai hâte de mettre ma main sur le deuxième tome, mais en anglais, parce que du coup, j'aimerais bien les continuer en cette édition. Parce que franchement, ça avait été trop trop. Ensuite, Mifi de Miraisin, il s'agit de Belladonna d'Adeline Grace, l'autrice du Trône des Sept Îles. Franchement, j'ai pas été ultra convaincue, mais il y avait quand même de très bonnes choses et la fin me donnait envie. C'est une ambiance très dark, très macabre, très conte gothique, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque une poésie à la plume pour que vraiment je sois emportée. Mais j'irai quand même la suite parce que c'est une duologie. Encore un service presse de Hauteville, il s'agit de Sous les soleils de Kif de Erin Litteken. Et là aussi ça a été une très belle lecture, une lecture très émouvante, très prenante. Et surtout ça parle d'un pan de l'histoire en fait qui est très méconnu. Il s'agit de l'Holodomor. Et c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale quand les troupes de Staline ont envahi l'Ukraine et ont affamé l'Ukraine en fait tout simplement. Qui est, je vous rappelle, le grenier à grains de l'Europe. Et dans cette histoire à double temporalité, clairement, on ne nous épargne rien. Voilà, et ça avait été une très belle lecture. Et enfin, qu'est-ce que j'avais lu aussi? Shades of Light de V. Schwab, donc le dernier tome de la trilogie Shades of Magic, dont je vous ai fait un tour d'horizon complet dans ma dernière vidéo que je vous mets là, donc je vous en reparlerai pas hein, clairement parce que dans cette vidéo je vous parle de tout, mais en tout cas ça avait été un gros coup de cœur. Également en audio j'avais lu Replay d'Elena Sender, mis en audio par Audible, et je crois que c'est Albin Michel qui publie à la base en grand format. Ça avait été une lecture intéressante parce que j'étais très intriguée par la question de la VR et des droits de l'homme par rapport au fait d'être dans un univers virtuel, mais j'ai trouvé que voilà, il y avait quand même des grosses lenteurs et que ça avait été un petit peu longuet. Quoi qu'il en soit, je suis passée très rapidement sur ces livres parce que c'est vrai que vu que c'est mon bilan, il faut bien que je vous dise que je les ai lus, mais vu que je vous ai fait un update lecture il n'y a pas très longtemps sur tous ces livres, je vous invite à aller le voir si jamais vous voulez plus de précisions sur ces livres si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo. On va donc passer aux 6 livres que je ne vous ai pas encore présentés. Alors la fin de mois était un peu plus light hein, comme vous l'avez vu. Mais il y a eu quand même de belles petites choses. Alors j'ai commencé par Chute c'est un secret de Seo Miyae qui est publié au livre de poche, et je crois que la maison d'édition grand format c'est Matin Calme. C'est la suite de Bonne Nuit Maman, et Bonne Nuit Maman je vous en avais parlé, ça avait été un coup de cœur intersidérable, j'avais été obsédée par cette histoire, je l'avais trouvé vraiment géniale. C'est en fait dans cette histoire on est dans la Corée, donc moderne, la Corée du Sud, et on va suivre une psychologue qui normalement est appelée en fait à la prison parce qu'un tueur en série qui n'a jamais voulu parler tout d'un coup se réveille et veut parler qu'à elle. Et en même temps, la fille de son conjoint, dont elle ne connaissait même pas l'existence, débarque chez eux parce que ses grands-parents sont morts dans un incendie et en gros elle vivait avec eux. Et elle est étrange, cette enfant, et il y a plein de mystères autour de ça. Pourquoi elle n'en a pas entendu parler?
comment ça se fait que sa mère et ses grands-parents sont morts dans des circonstances bizarres assez rapidement, est-ce qu'elle lui veut du bien, est-ce qu'elle lui veut du mal, enfin, y avait beaucoup de choses qui m'avaient énormément plu. Dans cette histoire, on va aller suivre la même famille, mais quelques années plus tard, et Ha Yeong, elle est devenue adolescente. Ils vont déménager dans une nouvelle petite ville, un peu plus campagne, puisque la psychologue, dont je ne me rappelle plus du nom, et en plus je vais l'écorcher, attend un bébé, et dans cette école, il y a quelqu'un qui est mort assez mystérieusement, et la jeune fille, en fait, l'adolescente, elle va enquêter un petit peu là-dessus. Et en fait, on sort complètement de la dynamique de base, puisque avant on suivait la belle-mère, et là on suit la jeune fille, et c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbée. J'aimais beaucoup le côté psychologique du fait qu'on suivait à la fois en fait deux intrigues, mais que l'intrigue, on va dire, qui sortait du cadre familial, c'était vraiment une intrigue de psychologie, de tueur en série, voilà, alors que là, c'est une intrigue entre adolescents, il y en a qui ont tué quelqu'un, et elle essaye de les faire payer, et je pense que j'étais un peu moins sensible à ça, et aussi je crois que je préfère le point de vue de la belle-mère que celui de la jeune fille, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier cette lecture, et pourtant je pense que si je l'avais lu séparément, j'aurais beaucoup aimé ce livre, mais là, la comparaison avec Bonne Nuit Maman lui a fait que du mal, parce que du coup j'étais super déçue. Je pense pas que c'est un mauvais livre. Franchement, je pense que c'est une belle histoire, c'est une histoire sympa, mais je m'attendais tellement à un truc de dingue que j'ai été ultra déçue. Vraiment, j'ai été très déçue, et je trouvais la fin... Je comprenais pas comment il pouvait y avoir une suite, et je trouve que la fin sans suite de Bonne Nuit Maman est bien meilleure. Et je pense qu'il peut se suffire à lui-même. Donc, bon après, voilà, je vous déconseille pas de le lire, parce que c'est pas forcément un mauvais livre. Je vous ai dit, bon, je pense que c'est une belle histoire. Enfin, c'est une bonne histoire, mais elle est pas à la hauteur de sa maman, quoi. Enfin, de Bonne Nuit Maman. Et je pense que vous pouvez clairement lire que Bonne Nuit Maman. Ça se suffit. Ça se suffit à lui-même. Par contre, ne lisez pas celui-là si vous n'avez pas lu celui d'avant. Sinon, vous êtes perdu, clairement. Voilà. Je pense que lui, par contre, ne peut pas se lire indépendamment. Mais ça a été une déception. Et on continue avec les déceptions, alors pas qu'un peu. Puisque j'ai aussi lu Blood and Honey de Shelby Mayurin, publié chez De Saxus, qui est la suite de Serpent and Dove, que j'avais vraiment, vraiment adoré. Et là, c'était la déception totale. J'ai l'impression que... Il y a beaucoup de séries chez De Saxus qui souffrent en fait du syndrome du tome 2 où clairement il y a un soufflet qui fait pfff, voilà, clairement. Et ça, ça a été clairement le cas parce que déjà on est dans une dynamique différente puisqu'à la base, Lou et Reed ce sont des ennemis puisqu'elle est sorcière et que lui est chasseur de sorcières. Donc on est vraiment dans un enemies to lovers, sauf que dans le tome 2, bah, on n'est plus dans un enemies to lovers vu qu'ils sont amoureux et c'est chiant en fait, c'est long, il n'y a plus de petits piquants entre eux vraiment autant qu'avant, bien que Lou reste un personnage que j'adore et qui a beaucoup de bagou, qui est vraiment un personnage sympa à suivre, mais je trouve que ça a manqué d'alchimie entre eux du coup, le fait qu'ils se soient mis ensemble, clairement ça a manqué d'alchimie, et puis c'était long, il y avait des passages... Je me disais, mais il se passe rien. Je le lisais en lecture commune avec une copine, et le soir, alors qu'on avait lu plus de 100 pages, on n'avait pas grand-chose à se dire, en fait. On n'avait clairement pas grand-chose à se dire. Et c'est ça, moi, que je le reproche, c'est que dans les trois quarts du livre, il ne se passe quasiment rien. Et c'est long, c'est juste long. Et puis la fin, voilà, redynamise un peu le tout. Il y a des questions par rapport à des divinités qui commencent à se poser, qui élargissent un petit peu plus l'univers. Et là, on a envie de connaître la fin, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de connaître, voilà, l'univers étendu. Mais c'est tellement dommage qu'il ait fallu passer par... Elle fait combien? 600 pages? Par 400 pages de néant, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était... long, qu'il se passait rien, que à part se taquiner un peu et des histoires d'amour, en fait, il se passait rien. Et je suis pas contre les histoires d'amour dans les romans, au contraire, j'aime bien quand c'est bien intégré, j'adore Akotar par exemple, mais il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Sinon, moi, je tourne en rond, surtout dans une histoire
où quand même les deux protagonistes sont ensemble. Donc c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme la malédiction des couples qui se mettent trop tôt dans une série ensemble et après ils sont obligés de les faire rompre parce que sinon c'est chiant en fait. Mais c'est pas plus rien. Et bah là c'est un peu pareil. Je suis vraiment mitigée. Heureusement que le personnage de Lou remonte le tout. Heureusement qu'à la fin il y a vraiment de nouvelles thématiques qui sortent du lot et qui permettent de se dire ok, j'ai quand même envie de lire la suite. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait autant de blancs et qu'il y ait autant de moments de latence pour arriver à cette fin. Voilà. Donc j'ai été vraiment très déçue. Par contre, là où j'ai pas été déçue, c'est avec Les Fantômes de Harvard de Francesca Seritella, publié chez Pygmalion, qu'on m'a envoyé en service presse. Je les remercie énormément. À chaque fois que je prends un livre Pygmalion, je me dis oh là là, cette fois ça va être le livre que je vais pas aimer, parce que depuis que j'ai des services presse de Pygmalion, j'aime tous leurs livres. C'est pas tous des coups de cœur, mais vraiment je passe toujours des très bons moments. Et à chaque fois je me dis oh là là, quand est-ce qu'il va arriver le moment où je vais prendre un livre Pygmalion et que je vais pas l'aimer? Et ben, il n'est pas encore arrivé ce moment-là, puisque après peut-être que je choisis bien aussi parmi leur catalogue les titres qui me plaisent vraiment et qui peuvent potentiellement me convenir. Je sais pas, mais en tout cas j'ai jamais été déçue pour le moment. Ce livre là c'est de la Dark Academia et moi j'adore ça et je trouve qu'il y en a trop peu en France. On publie trop peu de livres de Dark Academia. Il y a tellement de choix en langue anglo-saxonne, mais je crois que c'est pas trop à la mode en France. Donc il y a pas trop d'éditeurs en fait qui publient de la Dark Academia, ou du moins très peu. Mais celui-là, il est vraiment génial. On va suivre Cady, qui en fait est une jeune fille qui rentre à Harvard. Et c'est un peu particulier parce qu'en fait Harvard c'était là où son frère étudiait l'année dernière et c'est là où il s'est suicidé, surtout parce qu'il était bipolaire. Enfin, parce qu'il était bipolaire. C'est là où il s'est suicidé l'année dernière en gros elle y va un petit peu pour découvrir ce qui s'est passé. Ça fait pas l'unanimité dans sa famille, hein. Par exemple sa mère elle est un petit peu au bout de sa vie que sa fille retourne là où le drame a eu lieu, mais elle a envie, en fait elle a envie de savoir ce qui s'est passé, du coup elle y va et elle est armée du cahier de son frère qui fait état un petit peu d'une démence quand même et qui relate en fait les derniers instants de son frère. Et donc elle va arriver, en fait commencer à étudier, mais également mener l'enquête de son côté. C'est tout ce qu'il faut dans une Dark Academia. Vous avez un meurtre mystérieux, un meurtre, suicide, une mort mystérieuse. Vous avez une académie prestigieuse. Vous avez du surnaturel qui est peut-être explicable, mais vous savez pas au début, puisque Cadence entend des voix. Voilà. Vous avez du mystère, du suspense, vous avez de la nostalgie, vous avez tous les éléments réunis pour une Dark Academia parfaite. Et alors autant ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. J'ai vraiment passé un très bon moment, sachant que je l'ai commencé, je crois, je l'ai commencé la veille de mes premières leçons de conduite et j'étais claquée le soir en rentrant parce que c'est très fatigant d'apprendre à conduire. Surtout quand on a la trentaine et qu'on est vraiment conscient des risques, voilà. Et malgré tout, même si des fois je lisais que 50 pages, j'avais trop envie de continuer cette histoire, j'avais trop envie de m'y replonger. Et je pense que si je l'avais peut-être lu dans un moment où mon esprit était plus libre, ça aurait été un coup de cœur. Donc là, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. J'ai pas trouvé que c'était long parce qu'il y avait vraiment cette ambiance particulière, il y avait cette nostalgie, il y avait aussi la plume de l'autrice que j'ai trouvé vraiment très agréable et qui a réussi à me convaincre tout simplement. Et voilà, il y a plein de choses qui ont été vraiment très bien dans ce livre. Ma seule petite remarque, ce serait que à la fin, l'explication du tout me paraît un peu précipitée. C'est un peu rapide. Je peux vous dire pourquoi, sinon je vous donne clairement la fin du livre. Mais j'ai trouvé que ça aurait été mérité d'être un peu plus creusé, surtout qu'il y a énormément de questions sur la santé mentale qui sont très bien abordées pendant le livre, et à la fin qui sont un petit peu rushées. Voilà, après il y a aussi quelques questions qui se posent au niveau de l'esclavage, au niveau de la position de la femme, voilà. Il y a des thématiques qui sont pas énormément développées non plus, hein, mais qui sont vraiment sympas d'être abordées. Voilà, moi c'est un Dark Academia que je recommande à tous les friands du genre, voilà. Je suis pas sûre que si vous aimez que le thriller par exemple, vous allez être vraiment dedans, parce que c'est Dark Academia en général, il y a une enquête, mais c'est surtout un roman d'ambiance.
Si vous aimez pas les romans d'ambiance, clairement, vous lancez pas dans une brique de 600 pages, hein, je vous le dis. Surtout dans celle-là. Mais voilà, si vous aimez les ambiances, si vous aimez la Dark Academia, mais vous allez l'adorer. Je pense que vous allez vraiment l'adorer. Ensuite, j'ai écouté Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Alors, je vais aller très très vite parce que j'ai pas grand chose à dire. J'avais encore jamais lu du Christie, c'est chose faite. Et franchement, ça a été une très bonne découverte. J'ai trouvé que, malgré l'époque à laquelle ça a été écrit, j'ai trouvé que c'était quand même très accessible et très moderne au final. J'ai vraiment aimé découvrir Hercule Poirot, qu'au final je ne me connaissais pas, parce que tous les films que j'ai vus d'Agatha Christie, je crois que c'était un peu des one shots. Il n'y avait pas de... Voilà, c'était pas les séries, j'ai vu que les films. Et je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Et surtout, j'ai été bluffée parce que clairement, je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à cette résolution. Donc vraiment, ça a été une bonne découverte. Je pense que je vais essayer d'en lire quelques-uns par an, parce qu'en plus en audio, c'est 7 heures d'écoute, ça va très vite, parce que ce sont des petits livres. Donc voilà, très bonne découverte. Ensuite, j'ai lu Des meurtres qui font du bien de Karsten Duss, publié chez Cherche Midi, qu'on m'avait envoyé gentiment pour Avis Sincère. Et pour le coup, là, ça l'a pas fait. Alors, je vous le disais, j'avais envie de le lire, parce que pour moi, mêler meurtre, mystère et... méditation pleine conscience, c'était vraiment barré. Et c'est ça qui m'intriguait en fait, c'était ce côté vraiment barré, complètement fou, et j'avais très envie de découvrir cette histoire, puisqu'on suit un avocat qui est très stressé parce qu'il défend la pire crapule de l'univers, et un jour en fait son mariage bat un peu de l'aile, du coup il va tester la pleine conscience pour essayer de sauver un peu sa vie, son couple, son mariage, et en testant la pleine conscience, il finit par tuer quelqu'un accidentellement, par omission on va dire. Et s'enchaîne plein de petites choses. Ça va être adapté en série télé d'ailleurs. Et je pense que j'aurais préféré le regarder en série télé. Parce que c'est un thème qui, à la télé, serait bien passé. En lecture, ça ne l'a pas fait. Pourtant, ce livre est drôle. Ce livre est rythmé. Ce livre est vraiment sympa. Il y a de très bonnes choses. Objectivement, quand je prends du recul, je me dis que c'était un très bon thriller. Mais moi, ça ne l'a pas fait du tout. Déjà parce qu'il y a quelques remarques sexiste quand même du personnage. Alors certes, ça s'arrête au bout d'un moment, et certes c'est pas l'auteur qui est comme ça, mais ça m'a un peu fait grincer des dents au tout début. Mais surtout, je crois qu'en fait je suis pas du tout réceptive aux histoires de mafia, de lascar, voilà, ces trucs là ça me laisse un peu de marbre, voilà. Donc j'étais pas investie de savoir ce qui allait se passer. Puis en plus ce qui est un peu particulier, c'est qu'on sait qui est le tueur vu que c'est notre personnage principal. Donc, c'est pas vraiment une enquête pour savoir ce qui va se passer. Vous voyez, c'est plus qu'est-ce qui se passe après. Et voilà, j'ai pas été embarquée, j'ai pas trouvé ça dément, voilà. Mais je sais que c'est vraiment purement personnel et que c'est juste, c'est pas mon goût. Mais par contre, objectivement, c'est vrai que c'est une enquête qui... Enfin, une enquête. Un roman thriller qui est vachement bien, c'est drôle, c'est rythmé, c'est original, voilà, il y a des très bonnes choses. Et en plus, la méditation, la pleine conscience, elle est vraiment insérée avec beaucoup d'humour, donc c'est très bien fait. Mais juste, moi, ça l'a pas fait du tout. Je pense que si je l'avais regardé en série télé avec mon chéri le soir, j'aurais pu apprécier. Mais là, en livre, c'est pas des thèmes en fait qui me plaisent, et bah, je m'en rends compte maintenant, hein, c'est comme ça. Mais du coup, je me tournerai moins maintenant vers des thèmes de ce genre, avec mafia, lascar, voilà, je me rends compte que c'est pas trop mon truc. Et enfin, parce qu'on finit quand même sur une très bonne note, il s'agit de Three Dark Crowns de Kimberly Blake, publié chez Léa Jeunesse. Et alors, il faut savoir que ce livre, je l'avais commencé en août, je crois. J'avais lu 60 pages et je l'avais reposé, parce que clairement, j'étais pas dans le mood. J'avais lu 60 pages, mais je me souvenais plus du tout de ce que j'avais lu. J'avais pas du tout envie de le lire à ce moment-là, voilà, j'étais... Et je me suis dit, bah tu sais quoi, repose-le, tu le reprendras à un moment. Et là, il me restait quelques jours avant la fin du mois, mais pas trop non plus, donc j'avais envie d'une lecture quand même assez rapide. Et j'ai vu qu'il faisait 375 pages, je me suis dit, bah pff, allez, je vais le prendre. Et je l'ai lu en un jour. Voilà, je l'ai clairement lu en un jour. Et j'ai tellement bien fait d'avoir attendu pour le lire, comme quoi le moment où vous lisez un livre, c'est ultra important, puisque j'ai failli l'abandonner. Et après, quand je l'ai repris et je l'ai lu d'une traite, en un jour, en un dimanche, j'ai lu quasiment 400 pages, tellement j'étais à fond. C'était vraiment, ça a été une super lecture, presque un coup de cœur, vraiment j'ai adoré cette histoire. On va suivre en fait trois sœurs qui sont dans des familles un peu différentes, et en fait
le système de royauté en fait dans ce monde, c'est que chaque reine donne naissance à des triplés et chacune a une compétence particulière. Vous avez les empoisonneurs donc, qui ont une appétence avec le poison, vous avez les élémentaires qui peuvent maîtriser les éléments, donc le vent, le feu, l'eau, blablabla, et vous avez les naturalistes qui eux maîtrisent la faune et la flore. Et en fait, chaque enfant est placé dans une famille par rapport à son don. Et quand elles ont 16 ans, elles doivent se battre. Et la seule survivante deviendra la reine. Voilà. Là, on va suivre les trois jeunes filles dans leur famille respective. Avant une espèce de cérémonie qui les montre un peu au monde. Où elles font une première démonstration avant que le reste commence et qu'elles s'entretuent. Bon. Clairement sur les trois, il y en a deux, elles galèrent grave avec leur don depuis toujours, elles sont vraiment en galère, et il y en a une qui elle va très bien, mais qui a un peu du mal à se faire à l'idée qu'elle va devoir tuer ses sœurs. Et j'ai vraiment trop kiffé. Là, sans spoiler, hein, mais la fin du premier tome, c'est juste après la cérémonie où elle montre à tout le monde un petit peu leur don. Donc, étant un peu friand de tout ce qui est Hunger Games et tout machin, j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que pour moi là, ça s'arrête à un moment où j'ai envie de connaître la suite. J'ai trop envie de savoir comment ça va se passer après, puisqu'en fait, le premier tome, c'est vraiment une introduction au personnage finalement. Et pourtant, on s'ennuie pas et pourtant c'est pas long, parce qu'en plus, il y a trois personnages, donc trois points de vue, donc au final, on a vraiment 100 pages par personne et on se rend pas compte que... qu'en gros il se passe pas grand chose, parce qu'il se passe des choses dans leur vie quand même, il se passe plein de choses pour qu'elles en arrivent à là où elles en sont au moment où elles sont présentées au monde, mais vu qu'il y a 400 pages et qu'il y a 3 points de vue, c'est vrai que c'est très rythmé, les chapitres se dévorent et j'ai adoré les personnages, et franchement je serais pas capable de vous dire qui est ma préférée. Je sais qu'au tout début j'avais adoré Katarina. Mais maintenant, franchement, je sais pas qui m'a préféré, et du coup, je meurs d'envie de connaître la suite. Genre, je pense que là, je vais aller à Montreuil, je vais prendre le deuxième tome, et je vais le lire en janvier, parce que j'ai déjà fait mon programme de lecture pour... Quoique, je lirai peut-être fin décembre, j'ai peut-être un créneau fin décembre, je vais voir ça. Bref, ça a été vraiment... un quasi coup de cœur, franchement ça a été une super lecture, j'ai adoré cette lecture, et c'est une saga que je pense je vais vraiment surkiffer. Je crois qu'il y a le troisième tome déjà qui est sorti, ou alors le quatrième, je sais plus, bref, il faut que je me procure la suite, là ça devient urgent. Et c'est sur cette super lecture que se termine mon bilan de novembre. Je vous ai dit, c'était... très condensé parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je monte cette vidéo, il faut que je fasse ma valise, enfin bref, je suis débordée aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo. J'ai hésité à ne pas la faire et pas sortir de vidéo dimanche, mais je me suis dit que ce serait quand même dommage puisque je m'y suis tenue toute l'année à faire mes bilans, donc j'avais pas trop envie de pas tenir mes engagements cette fois-ci. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, encore une fois je m'excuse de la rapidité de la chose, mais j'espère quand même que je vous ai donné envie de lire quelques livres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez adoré, s'il y en a qui vous font envie, tout ça. Je vous remercie énormément pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous. Thank you.